Voilà, le point de Gozu, mes amis. Le point de Gozu. Le point de Gozu. Messieurs, vous êtes ridicules face au point de Gozu. Je suis un avec le point de Gozu. Et le point de Gozu ne fait qu'un avec moi. Non mais ça va, sinon c'est pas trop pété le point de Gozu. Tranquille, hein. J'ai pas besoin de bouger. Alors on sera supérieur. Le point de Gozu. Non, non, le point de Gozu. Voilà, merci. Le point de Gozu, messieurs. Voilà, c'est bon. Le point de Gozu, j'ai dit. Voilà. C'était bien. Oui. Ah, ça fait plaisir. J'avais vraiment envie de le finir, ce jeu-là. Alors, la sensibilité, déjà, est assourdissante. Alors, comment, déjà, par contre? Bonne nuit, Sundance 13. Trouver un réservoir d'eau. Oui, inventaire, fabrication, carte. On avait essayé d'aller chercher de l'eau et on était mort, non? On était dead. Là, on est au garage. Donc, il faut qu'on parte comme ça. Jusqu'au cabanon et après là. Ok. Alors, je vais foutre des trucs en partant, des pics là. Ah, j'adore l'ambiance de ce jeu. Non, mais parce que là, je suis dans quel sens? La boussole, là. Je suis dans ce sens là. Faut que je parte comme ça. Ok. Et derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, hein, mais je... Il y a la mort? Putain, je vois rien du tout, là. Ok, je peux sauter par là. Mais moi, je veux sortir par la vraie porte. Voilà. Ouh, il fait chaud, ici. Tu penses que t'en es où dans le jeu? Plus proche de la fin ou du début? Plus proche de la fin, je pense. Et il fait presque... Putain, c'est presque moins 100. En fait, c'est de pire en pire au fur et à mesure du jeu. Conditions. Oh, regardez-moi ça, c'était pas comme ça avant. Water Facility, c'est par là, très bien. Je vais mettre des piquets juste. Attendez, là je me réchauffe, j'ai perdu du temps. Je suis en difficile. Ou en je sais pas quoi, en tout cas un mode où on crève plus vite, donc c'est plus réaliste. C'est pas des lampadaires que je veux mettre, c'est des piquets, de cordes. Bon. Yop, l'homme au pseudo imprononçable qui a dit salut Go et salut le live. Ouais, l'ambiance est géniale. On est d'accord. Comment je l'ai planté par contre? Ok, c'était eux. Mais j'en ai que deux là? Ça sert à rien, hein. Je suis pas foutre, non, mais je suis pas foutre de piquer ici, si. Bon, là, il faut que je récupère les autres. Ah putain, c'est trop la galère en fait. Là, il faut que je récupère. Je peux en prendre un, je suppose. Ramasser. Allonger. Non, je vais le ramasser. Ah, je peux pas le ramasser celui-là parce qu'il était déjà là, c'est ça? Je sais pas, je vais refermer, je vais réchauffer. Pas dans ce sens! Et on va y aller, on va se jeter, au pire si on meurt ça nous remettra là, hein, donc c'est pas grave. Mais... Dans ce niveau de difficulté, c'est normal de mourir souvent, je pense. Bon, c'est bon, elle a plus froid là. C'est bon, en général quand elle fait ça, elle est partie. Je sais pas si je devrais sprinter ou pas, c'est à dire que là sans les piquets de cordes... c'est un peu violent quoi. Ah, ils sont là. Ok. Je vais ressortir les miens. Ah, c'est bien, il sort la lampe torche en même temps, elle est intelligente. Il est toujours pas fini, toujours pas fini. Toujours pas fini. Toujours pas fini, putain, pas loin. Oh! J'avais déjà dû faire une excursion, non, pour le rallonger, c'est pas possible, il va super loin. Ah, il est là-bas le cabanon. Je prends tellement cher. Putain, quoi? Je vois rien du tout. Ah, j'ai presque rejoint. Allez, le chalumeau. Vite, tu vas crever, c'est tout ce que ça t'inspire là. Vite. On va passer en second souffle, là, ça va pas traîner. Ouvre la porte, ferme la porte, où il y a du courant, mais je crois pas qu'il y ait le chauffage. Chauffage portatif. Ah. Il y a des tiges pour faire du piquet. Vous pouvez pas en transporter plus. Bah écoutez, je vais l'utiliser. Je crois que dalle. Ah, température et reste à moins 80. D'accord, elle reste? Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai ça, tu vois. Moi, je veux pas y croire. Je pense pas que je puisse avoir tort. Kérosène utilisé, très bien. Je voulais craft des piquets. C'est où?
Je suis con, je suis dans l'inventaire. Je suis complètement con, hein. C'est inquiétant. Ouais, je vais en faire. Putain, mais j'en fais un, sérieux, ça coûte trop cher. Le ruban adhésif, c'est la vie, bordel. Non, j'en garde. Fou. Il va y avoir un piqué, hein. C'est cool, ça, non? Ça vous plaît? Vous aimez bien le concept? Water, par là. Allez. C'est là? Là. La water. La water, la water, la water, vite. Très vite, par contre, monsieur. Ah, voilà. Il y a piqué de corde ici. Bon, bah, c'est bon, c'était pas si loin que ça. La map est petite au final, hein. Je vois pas là. Si j'ai fini le truc. C'est bon. Je suis en train de crever. Ouais, règle numéro 1, j'ai jamais tort, ça c'est bien vrai ça. Non mais les connes. La fenêtre est pétée là. La fenêtre n'est pas pétée, c'est fantastique. Voilà. On a eu de la chance que la fenêtre ne soit absolument pas pétée. Ouais, c'est fort la musique, je pense. Il y a de la musique? Je sais pas. En tout cas, le jeu doit être fort, mais j'ai envie que vous entendiez l'ambiance. Vous me le dites hein, si c'est trop fort. Le son, ça va. Ok, bon, bah, il y a quelqu'un qui a lu dans le futur, il a vu. Il a vu que j'avais demandé ça. Je suppose qu'il n'y a pas de courant ici. Ah, là, c'est pété. Là, c'est l'exit. Recharger la batterie. Vas-y. Mais faut qu'elle s'arrête pour recharger la batterie, quoi. J'ai envie de lui apprendre 2-3 choses sur la vie. Ça, c'est une tête de salle de générateur. Filtration. Bordel, mais oh! C'est trop grand, là, hein. Et je suis pas en train de crever de froid, là? Comment ça se fait? Ça fait un moment, là, pourtant. Je vais fermer les portes, là. Y a pas de courant, ici? On va voir s'il continue de se léger. Vide. Ah, elle a froid. Putain. Il faut que je trouve. Oui, merci pour les retours. Il faut que je trouve comment remettre le chauffage. Parce que je sais qu'il y a le courant. Je l'ai remis le courant partout. Putain, mais sérieux, je viens de me réchauffer là. J'ai crevé juste parce qu'elle a décidé de pas se réchauffer quand je lui ai demandé. C'est ça mon lot? C'est comme ça que je m'en vais? Là il y a une porte, c'est exit. C'est bloqué. Intake. Bon, je vais crever là. C'est fini en fait. Maintenant où je suis là, je crois plus une seule seconde, donc autant visiter. Baisse-toi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Maintenance. Bon, c'est ici. Ouf. Ah, peut-être que je m'en sors. Il y a plus de kérosène. Incroyable. Ah, je suis dead. Ah, je suis dead alors que j'ai sorti le truc. Elle me donne froid. C'est pas un peu violent de passer de moins 80 à 10 degrés? Si, je pense pour elle, ça doit pas être le top. Maintenant, je pense pas que le chauffage chauffe assez pour que ça fasse... Enfin, je sais pas, moi, écoutez. J'ai pas fait le jeu, hein. Arrêtez toujours de me... Vous êtes, hein, un petit peu, bon. Je bois mon eau avec fureur. Dites-moi qu'ils m'ont remis là, oui. Ça, c'est des génies de développeurs, ça, vous voyez. Ça, c'est les sauvegardes automatiques bien utilisées. Le système de sauvegarde de ce jeu est vraiment bien. Bon, c'est un système de sauvegarde qui devrait être... Enfin, qui est normal, quoi. Mais c'est con à dire, mais il y a des jeux, ils n'y arrivent pas. Hein. Là, je crois que je suis allé là. Ouais. Bon, je fouille pas tant que j'ai pas remis le truc, moi. Je suis comme ça. Si vous avez un problème avec ça, bah, je vous mets un coup de boule. Donc, ça va aller vite. Allez, on va vite chercher la porte de la maintenance. Oui. Alors... Intake. Putain, c'est quoi intake? C'est de la merde là. Moi il me faut. Il faut des données les gars, il me faut quelque chose. Ah! C'est quoi ça? Sérieux, y'a pas de filtration? Bah non, je m'en fous de la filtration. Putain, mais c'est pas possible. Attends, il faut que je. Ils vont quand même pas faire un endroit entier où il n'y a pas de... On peut pas activer le chauffage, si? Ils vont oser... Oui, je vais crever. Est-ce que j'ai peur? Non. Absolument pas. Je crois que c'était un maintenance où j'aurais pu m'en sortir et que je suis mort. On va essayer. Sachant que le chauffage, je suppose, n'a plus de kérosène, si? Ah, mais il y a un trou! Attendez. Ouais, non, c'est pas là que j'étais, en fait. Hein. Ma mémoire me trahit, en plus. Et je vois rien. On est mort.
On est mort là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a ici? Sérieux? J'ai survécu là? Genre là j'ai survécu? Le froid, la froideur. Putain, je fais n'importe quoi. Il y a pas de monstre dans ce jeu, c'est juste l'ambiance qui est brutale. Putain, mais oh, j'ai pas envie d'utiliser tout mon kérosène, c'est bon. Electrical, putain, il y a un dieu. Kit de dérivation. Est-ce que j'ai assez pour le faire? Sinon, je pourrais trouver des... Ouais, il me faut deux câblages, mais on est passé à côté de plein de câbles. Déjà, on sait où c'est. Alors ça, c'est une victoire, mais magnifique. Magnifique victoire. Maintenance, du coup. Ce serait peut-être intelligent d'aller là-bas. D'ailleurs, des trucs... Ah, bah du kérosène. Manuel de sécurité pour chalumeau par temps froid. Ah, je crois que j'ai amélioré mon chalumeau, là, non, avec ça. Ah non, plan de fabrication, je peux l'améliorer. Excusez-moi, j'étais un peu audacieux. Plein de trucs. Je spam la touche E. Second souffle est spécial. Écoute. J'ai jamais eu un second souffle, donc je peux pas te dire à quoi ça ressemblerait. Elle a froid, okay. On a compris, Bibi fricotin a froid. Ruban adhésif, exactement ce que je veux pas. Enfin, c'est sympa aussi, hein, mais c'est pas pour ça que je paye le jeu non plus. Pas possible quoi. Je crois qu'il y avait... J'étais sûr qu'il y avait des câbles par ici. Que dalle hein. Il y a mon seum par ici, dans ces boîtes là. Éparpillé. C'est bon. Ah, je suis dead. Ah, je crois que le jeu avait déjà dit que... Il y a une limite quand même, faut pas déconner. On peut pas s'en servir trop de fois de suite. Il faut quand même qu'elle ait le temps de se réchauffer, non? Je pense que c'est ça. Bordel. Bon, là ça fait une heure que j'ai pas eu de problème pour le stream. Donc voilà, je vais pas blâmer Twitch, mais je veux blâmer leur serveur, voilà. Donc c'est leur faute, tout est leur faute, et je leur souhaite beaucoup de malheur. Après, moi je suis, voilà, je suis pas dans la politique, hein, mais... Bon. On sait que si j'ai pas de câble, ça sert à rien. Donc on va commencer par trouver ce qu'il faut trouver. Des câbles dans le bureau, vide. Vide. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça doit mener dehors. Du coup, j'ai envie de voir. On touche du bois, oui. Heureusement que ce jeu est court. Moi, je suis triste, il est court. Mais en même temps, il y a des jeux, quand c'est court, c'est mieux parce que c'est au service du concept. C'est les développeurs qui ont compris que ça va rien de faire un jeu de super lent si après ça dessert, quoi. Okay. Ça me fait penser par exemple à Alien, que j'avais refait récemment, du coup, j'y pense. Alien Isolation, c'est un jeu qui est génial, quoi. Quand tu joues les. Je sais plus combien d'heures c'est, mais tu joues les 5 premières heures et le jeu est parfait quoi. Pour moi il était parfait. Et après, il continue de le tirer et... Enfin, c'est mon avis hein. Mais ça devient beaucoup moins intéressant. C'est dans cette pièce que je suis crevé, comment ça se fait? C'est juste parce que j'avais pas sorti le chauffage assez vite en fait, clairement. Y'a pas de trou. Ouais. Bon, ça a chauffé la grognasse. Pas partir. Ah, il y a une caisse ici. Il y a des câbles. Il faut des câbles, les gars. Il est faux. Je peux pas travailler dans ces conditions. Laissez-moi descendre. Ce serait vraiment un sacré coup de pute de pas mettre de câbles. Come on. Merci pour les follow, effectivement. Vous êtes décidé en même temps. Funky66 et Keshiro973, ce ne sera pas oublié. Du moins pas dans les 10 secondes qui suivent. Je sais pas si les caisses lootent aléatoirement, mais j'espère. Si elles lootent tout court en fait, parce qu'elles me donnent rien, c'est salope. Excusez-moi. Je vais pas emporter. C'est vrai qu'on en a marre. On en a marre. Ruban adhésif. Oui, il est bien ton guide. Non, mais c'est pas possible quoi. Je suis vaincu comme ça. C'est vraiment triste là, c'est en train de se passer. On va se foutre là tranquillement là. On va pas crever tant qu'à faire. Attends, elle va pas crever là. Ah merde, elle a eu le temps d'avoir le second souffle, du coup je pense que c'est perdu pour la France ça. Je peux pas mettre trop longtemps non plus, faut pas déconner. Elle a froid direct, mais ça va oh. Elle peut pas créer des câbles. Putain, chier. Ah, 0 sur 2 en plus hein. Augmente la portée et la chaleur. Il faut quoi? Pince, ruban adhésif, fer à souder. Pince. Non, fil à souder. What?
What? Bonne nuit, Arius. Merci d'avoir regardé. Je suis mort brutalement. On va juste regarder ce que je dois faire. Et on va torcher la zone et on va se barrer, je crois. J'ai assez de kérosène en soi. C'est juste que ça me frustre de ne pas trouver comment réparer ce truc-là, quoi. J'espère que je devrais jamais y revenir. J'adore aussi cette image near death, là. Bien sûr, je dis ça, il est en opacité 2, tu sais. C'est bien ça, les gens qui disent bonne nuit, j'apprécie votre comportement. C'est honorable. Alors, trouver un réservoir d'eau. De rechange. Ok. Bon, on est d'accord, on l'a pas croisé pour l'instant, le réservoir d'eau vide. Ça, je m'en fous. Ok, that's better. Ok, c'est mieux. Come on. Ok. Putain, il y en avait un là. Mais j'y crois pas de cette connerie humaine qui m'habite tout le temps. Vous l'avez pas vu non plus. Ouais, potiron, le jeu est assez brutal là. Mais c'est ça qui est bien. Moi, c'est ce que je veux, vous voyez. C'est l'expérience complète. Ah putain, je suis pas allé là. Pourquoi c'était scellé avec de la glace et... Storage and pumping. Bon, bah ça va être là. Mais tout est déjà fouillé. C'est quoi ces goujats là? Ça va quoi? Est-ce que je peux mettre un lampadaire ici? Non, c'est que dans la neige. Je vais me réchauffer encore parce que j'ai pas envie qu'elle crève direct. Un prompt. Hein? Voilà. Oui, elle a froid. Oui, super. En quoi ça me concerne? Voilà. Ouh, je vois absolument rien. Elle est à la porte. Oui, adieu à ceux qui s'en vont. Nous vous saluons. On va récupérer ça. On va laisser tourner pour que dalle. Alors, ça doit être là normalement. Mon dieu, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah! Attendez. Y a pas des. Oula, je suis vautré. C'est gros, hein. Je le porte, ça? Moi je le porte. Moi je le porte comme l'antenne qu'on avait portée. Ah putain, je peux pas passer. Y'a quoi ici? Oh, y'a le vent. Oh, y'a mille trucs. Oui, je peux passer comme ça. Putain, c'est moche ce que je suis en train de faire là. Câblage, un autre. Corde, pour me pendre. Tige gentil. Câblage. Ah, il m'assassine. Je repasse comme ça ou je crève là? Parce que j'ai pas le temps de t'allumer. C'est bon. Là, par là, vite. Et là-bas, je crois qu'elle est scellée, hein. On va crever. Non, c'est fini. J'avais l'espoir, mais ils m'ont égorgé. En même temps que mon futur. Ah, là, ça va être... J'espère que cette porte n'est pas... Putain, c'est pas... absolument pas... Allez! Ouh! Eh, c'était chaud là, hein? Oui, elle te donne froid, tu m'étonnes. Je me gèle rien qu'en y jouant, quoi. Y'a plus de kérosène, j'ai envie de me buter. Quelle vie de merde! Mais quelle vie de merde, quoi! Je crois qu'on peut le dire. GG. Malheureusement, avec le décalage, vous ne savez pas encore mon destin. La mort stupide. La mort stupide. Elle me fait chier cette fenêtre, mais je vais pas pour autant la réparer. Ah non, je peux en transporter plus. Il est hardcore ce jeu. Ouais, et puis je suis pas non plus très bon, mais bon. Je le répète, on est en difficile. Bon, je veux pas trouver des excuses ou quoi, parce qu'après on va encore me faire passer pour le méchant de l'affaire, mais. Bon, on sait où il y a du câblage déjà. Un câble, du moins. L'erreur, ça a été trop en vouloir. L'erreur, ça a été trop en vouloir. La gourmandise, vous savez, ça amène jamais rien de bon. La gluttonie. Il y avait quoi ici? Il y avait que dalle, c'est vrai, je me rappelle bien de ça. Il m'avait bien eu avec ça. Attends, réchauffe-toi, parce qu'elle va encore chialer après. Ça file à une vitesse là, j'ai vu qu'on était. On était pas à la moitié de la barre là sur le truc. Je suis pas sûr, hein. Yop, Keishiro 973. Tu arrives dans le chat à l'instant, puisque je t'ai déjà vu me follow il y a 6 minutes. Tu crois que je sais pas ça? Tu crois que je sais pas tout, Keishiro? N'importe quoi. Salut tout le monde. Le mensonge, ça passe plus, hein. On en veut plus. Je vais m'assurer la vie avant d'aller chercher la mort.
Ouais, absolument pas ce que je voulais pour ouvrir la porte. Allez. Voilà. Tant qu'à faire, je vais fouiller là. Ah, on est dans cette pièce, ok. J'étais arrivé par là l'autre fois. Électrical, ouais. J'ai rechargé ma lampe torche là, non? Et le chauffage portatif, il en est à où là? Je le recharge, pas le choix. Oui! C'était quoi ce beatbox? J'en ai aucune idée, je me rappelle même pas le dernier que j'ai fait. C'est bon? Quand elle dit better en général. Enfin, je suis pas très anglophone, mais je crois que ça veut dire mieux. Je sais pas où je passe là, parce que je suis en train de me fracasser le crâne contre tous les trucs. Come on. Vide. Ok, ok. Vide. Ah. Ah, la toile, merci, hein. Ah, bah oui, merci. Non, mais merci, oui, oui. Mais je préfère ça que ce que vous m'avez donné tout à l'heure, hein. Oui. 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 Puis je vais pas me casser vite de cet endroit et jamais revenir non plus, tiens. Objectif mis à jour, ouais. Il y a les soldes sur un Mumbledon et Psychonaut est à 99 centimes. Putain, je suis passé devant une fenêtre, j'ai entendu le vent. J'ai cru qu'il était dans la pièce avec moi. Oui, bon, elle a froid, on a compris. Elle va continuer à se plaindre si j'y fais pas quelque chose. J'ai combien de kérosène? J'ai plus de kérosène là. On va fouiller. On va fouiller, on va complètement fouiller la pièce. Enfin, les pièces, parce qu'il y a des trucs quand même, faut pas déconner. Par là-bas. Par là-bas, on commence à connaître l'endroit. Wouh! Ah, voilà. Come on. Go, tu prends les chèques pour les dons. Non. J'ai pas cette organisation-là encore. Hein. Soit carte, soit PayPal. Je sais pas s'il y a autre chose comme solution. Ah putain, il y a du kérosène aussi. Ça c'était vital. Faut se casser là par contre, ouais. Elle commence à pleurer là. Elle va refaire son cinéma encore. Allez, on met dans cette pièce là. Oui, c'est bon. Ça va quoi. Toujours le même cinéma. Hein. Par contre, pour le ramener, je vais aussi crever. Hein. Je vais totalement crever. Il faut que je passe par là. Tu vas pas se perdre. Si vous voyez à peine ce qui se passe à l'écran, moi aussi. Hop là. Il s'attendait pas à ça. Hello. Merde. Hello. Pas du tout, je pense, à chaque fois. Il n'y aurait pas des câbles ou des trucs utiles là-dedans, tiens. Bon, y a ça, je ramasse. Come on! Ah, je suis toujours pas à l'entrée là, putain. Je sais pas si c'est parce que je suis passé devant une fenêtre, mais elle l'a fait pile au bon moment. Ah. Bon. Objectif. Au garage. Donc il va falloir qu'on rentre, hein. Allez. Non, j'avais pas fini à Apothéon. Faut que je refasse ça et que je refasse ça. Allez, c'est par là-bas. Hein. Ouais. Il n'y a plus de kérosène, je vais le recharger parce que je sens que je vais arriver dans le placard et je vais crever. Allez. Hop là, la porte dans ma gueule et je suis dead. C'était par là. Oui, c'était par là. Tellement hospitalier quoi, cet endroit. Pas possible ça. Au chaud sous ta couette. Bah, profite pendant qu'il y en a qui triment dans la neige là. Je crois qu'avoir la torche allumée c'est encore pire que pas l'avoir allumée, hein, quand il froid comme ça, enfin quand il neige comme ça. Possible de déposer ici. Si si, tu feras une exception pour moi. Bah là, alors dehors, je sais pas, je m'en fous. Non. C'est bon. Oh, j'avais pas pris en compte la porte. Oui. J'ai pas vu la fin de Betrayer. Et je sais pas si tu la verras un jour. Quoique là, je vais récupérer mon vieux PC, donc peut-être les vidéos de Betrayer encore dessus si je les avais pas supprimées. Mais j'avais jamais fini Betrayer, il faut le savoir. J'avais filmé, je m'étais filmé 1h30 en train de tourner en rond, pas savoir quoi faire. Et j'avais jamais fini le jeu. Donc bon. Il y aura jamais la fin de ce jeu. Allez. Putain, contre le vent, c'est brutal, hein, j'arrivais même plus à avancer.
Heureusement qu'il y a les chemins de corde. Truc à moitié englouti des fois. Ah, il y a du brouillard partout, non? On est d'accord, il y avait du brouillard aussi. Je vais quand même faire un arrêt ici. J'ai pas besoin, mais. Prendre des précautions. Puis quand je finis mes let's play? Très bonne question. Faut être bien naïf pour croire que je vais finir un let's play. Donc il faudrait que je tourne tout à la suite comme ils font tous. Mais moi je tourne pas à la suite, mais ça c'est. Je devrais pas faire ça. Enfin, je devrais tourner à la suite, mais bon. J'aime pas, j'aime pas! Pour Walking Dead, pour le coup, je vais le faire parce que bon. Putain, mais oh! Je vais crever alors qu'il y a que 5 mètres, quoi. J'arrive plus du tout à avancer. Faut se baisser, je sais, putain. Allez, là, il y a le bâtiment qui me couvre. Absolument pas! J'arrive pas plus à avancer. Allez, ici, c'est chauffé. C'est bien de le traiter comme ça, hein. Notre seule chance de sortie. Moi, je le jette par terre, je m'en fous. Je fous complètement. Alors. Ok. Ah. Ouf. Ouais. Contactez McMurdo. C'est où McMurdo? C'est en bas ou en haut? Qu'on a l'espèce de truc là pour parler. C'est ça, pour discuter. Très bien. Alors, j'ai tout. Succès. Ça j'aime bien aussi ce truc là. Équipement radio et réservoir d'essence récupéré. Plus qu'à décocher. Escalade de tour glacée par vent violent durant la nuit polaire. C'est ma liste de trucs à faire avant de mourir. A moins que ce soit ma liste de trucs à faire en mourant, j'espère que non. Elle se permet de faire des blagues. Conditions difficiles, ouais. Il nous faut des cartes précises du terrain trouvables dans labo de sismologie. Ok. Ah oui, je suis pas allé, mais je vois quel truc je suis pas allé, donc ça doit être là forcément. Yop, Sniper Wolf, 0-0. T'as écrit un pavé, mon gars. TLDR, quoi. Sur place. Bâtiment scientifique. Allez vers bâtiment scientifique. Je suis déjà allé, non? Ah, mais oui, moi je suis déjà allé au bâtiment scientifique parce que je suis un bolos. J'étais allé, je m'étais perdu, je voulais aller au garage. Ah, vous êtes en bonne compagnie là, madame. Vous allez vous en sortir. Bon, alors c'est à droite. Et du coup, je crois que j'avais mis des lampadaires et tout, mais. Voir. Et les conditions sont horribles là, donc ça pouvait se finir avant que je crève. Du coup, est-ce que. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux fabriquer quelque chose? Genre le chalumeau, ce serait sympa que ça aille plus vite. Appareil de chauffage, putain, fixation en plastique, c'est où quoi? Ça augmente la portée et la chaleur, c'est génial. La lampe de poche, je m'en fous par contre. Bon, bâtiment scientifique. Ok. Le centre scientifique, science. Ils ont fait ça. Carte, s'il te plaît. Totalement vers là. Allez. Je vois rien. Ah, là-bas. Le truc vert, c'est pour la science. Sprint, ma grande, sprint. Avant que tes jambes soient paralysées par le froid. Oui, un autre. Parfait. Putain, ça m'aide, merde. J'aurais jamais cru que ça m'aide. Oui, oui, censé par là, c'est loin. C'est là. Je veux rentrer. Hop là. On s'attendait pas à ça, hein. Ah, encore un truc à réparer, mais ça va, quoi. On fait que souffrir dans ce monde-là. Hop là. Bon, elle a froid, là. J'avais déjà tout fouillé ici ou pas? Parce que j'étais venu. Oui, bah elle a froid, donc je vais la chauffer. Je crois. Chier quoi, ils nous font remettre le courant de partout, c'est un truc d'alternatif et après en fait ça te sert à que dalle quoi. Okay. T'arrives dans les trucs, il faut toujours tout réparer. Hello. Ah, des câbles. Vide mais. Ça sert à quoi en putain de casier dans les chiottes déjà là hein. Avec les vestiaires des scientifiques, c'est ça, on va me dire. Il y a une justification pour tout, bah moi j'y crois pas. Chercher le casier. Le problème quand on cherche des trucs, c'est qu'on se gèle en 2 secondes. Perdre un temps fou. Un câble dans les bureaux, j'y crois plus. Je crois rien. J'ai ramassé un truc là. Totalement ramassé un truc. Ouais, c'était pas un câble. Elle a froid déjà, mais c'est pas possible. Hein. En même temps, à côté de la fenêtre là.
Déjà ? Elle est en train de crever là ? On va regarder cette porte, sinon on va courir en arrière. Ok. Je sais pas si vous avez entreaperçu ce que c'était, mais... Oh, le vent est tellement fort ! Est-ce qu'il change de direction ? Oh putain. Putain, il est pas rempli. C'est... Ça va pas du tout là, hein. J'ai jamais de câble, j'ai pas de chance quoi. Le loot est aléatoire apparemment, mais putain, mais c'est pas possible quoi. Ah, ça a enregistré, cool. J'ai vraiment zéro chance quoi, putain. Là j'ai zéro truc de câblage là, j'ai zéro... J'en ai un sur deux, ouais. Ça me semblait. Ah oui non, je ferme pas, ça sert à rien. Ah putain. Tu vois les conneries que tu fais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je fouille? Mais des putains de câbles, les gars! Mais quelque chose, quoi! Vous mettez quoi dans vos tiroirs, sérieux? Assemblage de batterie, et j'ai vu un truc là, je sais pas si c'était un câble, ça y ressemblait, mais ils vont me dire non. Ce n'est pas le modèle qu'il faut. Ce n'est pas du tout le modèle de câble qu'il faut. Oh le con! J'ai failli tomber. Bon, je vais rentrer, me chauffer. Bon, je vais crever. On va faire ça, mais je vais crever. Je suis mort! En plus, j'ai déjà eu le second souffle, donc elle va pas pouvoir l'avoir encore. Allez, saloperie, on va crever, c'est ta faute. Allez! Oh, la mort en espagnol! C'est fini! Et il n'y avait pas de câble non plus. Bon, ici c'est de la merde, là je reviendrai jamais ici, on est d'accord. Ça sert à quoi ça, putain? Non! Oh. Voilà. J'ai versé ma larme. Putain, mais c'est pas possible là. Je veux te... un câble, un outil de câblage. On va jamais le finir ce jeu. Ah, vous êtes des putes ceux qui ont fait ce jeu. C'était impromptu là, ces frames qui ont drop. J'étais un peu dans une situation de stress. Donc j'ai créé une toile pour fermer la fenêtre. Après je me suis chauffé et j'ai amélioré le chalumeau. Et je suis curieux de voir si ça me permet de faire ça du coup. J'aimerais bien. J'y crois pas trop là. Ah si, non. Absolument pas. Putain, merde quoi. Je vois un coffre là, hein. Je le vois. Bordel. Eh bien, rebonjour si vous êtes tous là. Ouais, je disais qu'il y avait ces merdes d'échantillonnage, mais pas ce que je veux, donc je peux toujours pas faire ça. Bon là, je vais crever, mais... Est-ce que j'ai envie de lutter quoi? Est-ce que je peux faire un acte divin? Alors ça. C'est fait exprès ça, on peut faire ça? Putain, mais par contre, non. Ah non, ça va vite quand même, je suis allé. Il faut que je le recharge en plus, non? Ah non, j'ai absolument plus de kérosène. Mais les gars, mais je peux pas là. Hein. Pourquoi? Comment je fais là? Je vous laisse, bonne nuit. Bonne nuit. D'où venait le problème de blue screen? Bah, j'ai réinstallé OBS sur un disque dur différent. Merci pour le follow, ma caméléon. Ça fait plaisir et bienvenue parmi nous. Ouais non, j'ai juste réinstallé OBS ailleurs. Je pense qu'il était sur mon... Il était sur mon disque principal, qui était une terrible erreur. Les gars, là par contre on va être bloqué si j'arrive pas à... Soit à trouver ce qu'il me faut ici. Soit à trouver les... Ah ben, okay. Soit à trouver les câbles. Le bâtiment scientifique. Ouais ouais. Ah merde. Putain, il peut pas me dire c'est quoi. Je peux le matériel de voyage. Si je veux, déjà. C'est demandé comme ça, c'est même pas envie de le faire clairement. Mais là, il y a la moitié du bâtiment qui est parti. Et tu crois à ça? Et ça tant qu'à faire. On va voir si j'ai quelque chose un jour avec ça. Si j'ai toujours rien, ça veut dire que ça bouge pas, mais je suis sûr qu'il y a des loups qui ont bougé tout à l'heure. Mais putain, j'ai juste la malchance du démon quoi. Ah oh, sérieux. J'ai encore crevé là. Ah, ça me fait mal de l'avoir comme ça quoi. Pas de kérosène, je vais claquer, je vais être bloqué. Ah bah, c'est déjà fini là, j'en ai déjà plus. Qu'est-ce que vous trouvez dans une pièce étanche? Ah, j'ai laissé là-bas, bon bah. Écoutez, là c'est limite stratégique de mourir. Avoir dépensé du kérosène pour ça, bordel. Au moins mourir dans la nature.
Eh ben elle prend son temps hein, pour crever. Y'a quoi là? Ah, y'a des tonneaux et des palettes. Upgrade ton chauffage avec la fixation en plastique la prochaine fois. Certes. Le problème c'est que je vais quand même pas avoir de kérosène. Et ça. J'étais si bien pourtant dans le jeu. J'étais à un point où j'étais comme il fallait. Et là. C'est fou hein, comme des câbles peuvent décider du sort d'un homme. D'une femme en l'occurrence. Je crois qu'ils sont par là dans les fixations, ils sont par là. Bon, il y a ces merdes là. Je peux pas empêcher de les fouiller à chaque fois quoi. Je peux pas empêcher. The voici la goulette. La goulette. Dieu fœtus. Bienvenue si tu arrives. Je pose tes significations. Aïe. Bon, je peux sauter, mais bon, je vais pas montrer à tout le monde que je peux. Je préfère garder ça secret. Aïe. Non, là-bas, c'est troué. Là, c'est une pièce étanche. Allez. Après, j'améliore le truc, hein, mais il faut juste que je puisse, quoi. Le chalumeau, ça va quand même bien plus vite aussi, bordel. Ça me... Ouh ! En plus, on est dans la merde, là. Là, c'était au pire moment. Il va falloir que je sorte le kérosène tout de suite, là. Est-ce que c'est fermé? J'ai pas le temps de check. Eh ben non, c'est pas fermé, on est mort. À moins qu'ici. Est-ce que c'est fermé ici? Ben j'ai pas le temps de check. Apparemment c'était fermé. Je vais l'améliorer tout de suite. Créer. Ça prend 1000 ans. Allez vite, allez vite, allez vite, allez vite. Boum. Ok. Maintenant être contourné. Ok, cool. Câblage. Mais un putain. Un seul. Là, il y a 15 caisses à vide. Oh putain, c'est vraiment des. Ça, c'est moche quand même. C'est vraiment. La volonté d'être mauvais, quoi. Je suis sûr que je vais trouver un truc de câblage pile quand je pourrais plus m'en servir parce que je serais dead. Mais ça, ça va où là? D'ailleurs, je suis censé trouver quoi ici déjà? Objectif. Trouver le manifeste de l'équipement. Ah oui, mais comme je suis pas allé à gauche tout à l'heure. Enfin, à droite là. Parce que je sais où il est le manifeste, bordel. Mais c'est vrai que ça va plus vite, hein. Là, il y a des tiges encore, mais j'en peux plus. Je peux mettre des tiges entre deux bâtiments, quoi. Ah, oh, j'ai vu un truc là. Je crois que j'ai. Ah, j'ai fait tomber. Je crois qu'on a. On a le pouvoir là. Quand j'arrive à aller jusque là-bas. Je vais pas pouvoir sauter là. Putain, sérieux? Mais merde. Bon. Et là, c'est... je peux pas. Je suis dans la merde là. Je suis fini là. Je suis absolument fini. Là. Allez, putain. Bon, je sais où il y a le câble. Je m'en fous, je sais où il y a le câble. Vous pouvez me tuer, les gars, mais ça changera rien. Bon, il y a ça là qui pétait aussi. Je vais crever. Je vais crever. Alors que j'étais si proche. Mais ça, je l'avais sorti, hein. Ah, chauffage portatif et boum. Et il survit. Allez, vite. Dérivation. Putain, quoi. Merci! J'ai récupéré ça. Ah bah j'ai plus de kérosène donc c'est tombé. C'était la dernière fois. Hein. Ok, ok. Ok, ok. Please work. Merci mon putain de dieu! Enfin! Bon. Alors j'espère qu'on va y rester un moment dans ce truc maintenant que j'ai rétabli ça parce que sinon ça me ferait bien chier quoi qu'on se barre direct. En plus là. Ah, il manquera que deux câblages encore. Enfin, que. Yop, Sir Lord Phoenix. C'est Mario de Picard. Oh, c'est comme ça qu'on fait fondre ça. Ah oui, du câblage. Oh. Mais comment ça, vide? C'est censé être un putain de truc que tu débloques parce que, voilà. Et c'est vide.
Mais je me fais vraiment niquer par ce jeu, hein. C'est un bug là, c'est pas possible. J'ai rien, j'ai jamais rien. Bonsoir la clip, la clique, Carl et Cyril. Putain! Bordel de merde. J'y crois pas. Et là, je peux plus aller là-bas sans passer par là, quoi. Tellement il y a du vent. Je peux plus bouger du tout. Quelle bande d'enfoirés, putain. C'est des vicelards, hein, ceux qui ont fait ce jeu. J'aime bien ramper dans la neige, ça me plaît. Quand vous speedrun la gueule, là, voilà. Moi, ce que vous gagnez à me foutre en run. Sérieux, ça marche pas pour tous les trucs. C'est un scandale, par contre, là, on est d'accord. Là, c'est quand même scandaleux, quoi. Genre, c'est des bâtiments séparés. C'est scandaleux. Excusez-moi, mais c'est scandaleux. Putain, quoi, mais c'est pas possible, hein. De faire un jeu comme ça, là. Bon, bah, je sais où je vais courir, hein. Je peux pas, en plus, c'est trop loin, là. Allez! Allez, j'espère que t'as un second souffle, grognasse. T'es pas en hard pour être gâté, certes. Allez! C'est une pièce, mais j'y crois pas. Oh, je m'en remets pas, quoi. C'est devenu dur, là. C'était pas aussi dur, hein. Je veux dire, le jeu était pas simple, mais... Là, c'est un autre niveau, quand même. Matériel de voyage. Ils sont tous là, j'espère. Observation de terrain, oui. Dans le bâtiment d'observation de terrain. Traitement de données. Ouais, donc chaque truc. Mais putain, mais... C'est saloperie de scientifique. Moi, j'ai vu Rogue One. Alors, la fin. Hop, merci. Oh, merci. Oh. Absolument rien. Ça a réparé là. Pardon. Allumez, putain, Allumez, t'es un fou. T'es taré, Allumez. Merci. Ça et le fait que tu suives depuis depuis les arcanes, quoi. Incroyable. Merci, Allumez. Je t'avais même pas vu, tu vois. T'étais dans l'ombre. Il faut ramener ça un par un. Et c'est pas fermé là. Putain, j'y crois pas. C'est vraiment des putes. J'en reviens pas à l'UMS. Combien de fois tu vas me faire ce coup là? Bon, tu sais, hein, ça me fait plaisir. Le geste. Encore des tiges, mais putain, mais je. Ah bah y'en a assez pour faire une acupuncture. Pardon. Je vais pas faire cette blague, mais. Du coup, je l'ai fait sur un ton de franche rigolade parce que je me suis dit c'est la seule chance que ça passe. Ouais, alors là, je crois pas que je vais pouvoir mettre du parka. Bon. Alors attendez, je dois ramener au garage ça. Quitte à mourir salement, tu veux pas tester la nouvelle version de Don't Starve Together et mettre un mode pour jouer avec tes 60 viewers. Il se contente de. Allumez, c'est un grand seigneur. Il se contente de mettre un petit smiley dans le chat. Satisfait de lui-même. Ah, Yankee. Yop. Il était temps que tu bouges tes fesses et que tu te ramènes. Bon, alors là, je tourne en rond parce que j'ai le temps et c'est un luxe que j'adore avoir là. Je vais juste prendre le truc dans les mains, voir ce qu'ils me disent là. Je l'amène où, connard? Hein? Donc, on est d'accord, je vais devoir faire le trajet 100 fois. Ça, c'est. Ça les amuse, ça? Ça, par contre, tu vois, j'aime pas ça. Qui m'ait fait ça là, le jeu. Ah, mais en plus. Maman? C'est-à-dire, en plus, contre le vent, mais en plus, je suis mort, quoi. C'est tout. Tout simplement. En plus, je suis mort. Je n'ai aucune chance maintenant que je suis tombé. Ah non, là ils m'ont brisé là, tu vois. Ils m'ont brisé. Bon. Non mais c'est bien. Allez. Ça passe. Allez, tranquille. Est-ce que j'ai du kérosène? Je ne crois pas, on va crever. Absolument rien, si. Ça chauffe? Non, ça chauffe pas. La fausse chaleur. Bon, on est dead, hein. Autant mourir sur la route de la furie. Oh! J'aime pas le truc comme ça, toi. C'est n'importe quoi, là. Tu m'étonnes qu'il donne 10 tiges, là. Il en faut 50 pour retourner au truc.
carte. Ouais, mais c'était loin, hein. Bon, bah là, je suis mort, là. On est d'accord, autant faire de la reconnaissance. J'étais parti par là. Ou par à gauche, là, putain. Fais voir, là. Ouais, c'est comme ça, mais... Je suis pas sûr que... Mais j'avance pas du tout, là. Oh, putain. Ah, là, je vois quelque chose, un peu. Un peu, hein, juste, parce que... Après, des chemins de corde... Là, il faut que je passe par là-bas d'abord, d'accord. Oui, bah je suis mort, oui, oh, je suis triste. Il y a un passage là, vers le garage, non? Oh là là, c'est pas bien, hein, je suis mort, non. Ah, il y a un bâtiment ici, tiens. Ah, on finira jamais ce jeu, c'est impossible. Merci pour le follow, Yankee. C'est impossible. On va se heurter à un roc. En plus, je joue tellement mal, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Que ça parle de Rogue One. Pas de spoil du coup, s'il vous plaît. Moi je l'ai vu, mais bon. Après, normalement, si vous avez vu les films, c'est difficile à spoiler quand même. Si vous avez vu les autres, je veux dire. Si on peut spoiler par rapport à ce qui va se passer dans le film, mais on sait très bien que. C'est quoi la finalité, quoi. Bon, bah, je vais ramener ma glacière. Bah, je sais pas où. Je suis dans la merde, clairement. On va pas tortiller pour chier droit, hein, comme on dit. Je vais la ramener au bâtiment à droite, mais là je peux pas sortir en fait. Enfin, je peux pas sauter. Mais putain, mais ça c'est cruel, mais c'est tellement cruel. Bon, je peux remonter pour réessayer tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est que je lance. C'est quoi ce bruit là? C'est bon, calme-moi, hein. Normalement, je suis en sécurité là. Ouais. Ils veulent que je lance le truc, c'est ça? Ah non, je pense que... Mais salope! J'aurais pas pu mieux le lancer, quoi. Putain. C'est bien à regarder, hein. Ah, c'est bien, hein. On se régale. Du coup, réchauffe-toi, parce que c'est encore chialer après. Il faut absolument que j'arrive à faire passer le... La glacière, quoi, il faut. Ça peut pas être autrement de manière. Si j'arrive pas à faire passer par-dessus, là je peux pas sauter. Oui, les messages formatés. C'est corporate. Elle est corporate, Nian. Ah, oh putain, c'était audacieux, mais ça a payé. Alors, ça, l'audace. Et cet escalier là qui est mal posé aussi me saoule parce que je dois sauter à chaque fois pour passer au-dessus. C'est un petit truc, mais bon, quand je passe 15 fois devant, jette ça. Fait peu une glacière, quoi, mais j'y crois pas, ça. Allez, ramène la glacière pour le voyage. Bon, alors j'ai la glacière. Maintenant, je perds la carte. Bon, il reste quoi comme bâtiment? Il y a celui en haut là. Il y a lui, au final du coup je suis pas allé maintenant là je crois si. Non, maintenant je suis pas allé, donc on va aller, il y aura un truc dans lui je pense. Les architectes ils ont fait du boulot dégueulasse, j'appelle même pas ça du boulot moi. C'est ignoble. Ah ouais, il y a un truc forcément. Si attendez, je vois que dalle, j'arrive pas à prendre la lampe de poche, il veut pas. Je peux pas changer, j'ai le chalumeau dans les mains, je suis bloqué avec le putain de chalumeau dans les mains, qu'est-ce que c'est que ça là? Merci. Du kérosène. Ouch. Du scotch. Du vide. Je savais très bien, j'aurais pu commencer la phrase avant que ça... Ouais, on va repasser là-bas. Je comprends pas que ce bâtiment-là, il soit pas alimenté par le... Enfin, il soit pas le même routeur et tout. Même boîtier. Vous avez laissé votre appareil de chauffage, elle me dit. Ah ouais. Bon. J'ai dû le poser là-bas. Bah c'est complètement con, il va falloir que je le reprenne. Alors, les plans, par contre, je les porte, c'est ça. Et je suppose que... Ouais, c'est une carte, donc il faut que j'amène la glacière. Glacière pour les bières. Oublie pas les bières. Un peu con quand même de trouver du kérosène, de laisser le truc chauffer, bordel. J'en ai marre de cette fille. On va rester là pour l'instant. Si, il est possible. Possible, et tu le fais, putain. C'est possible, mais où est-ce que je l'ai mis? Là. C'est quand j'arrivais pas à enlever le chalumeau, ça commence à m'énerver, j'appuie sur toutes les touches en même temps. Mais là non plus, je peux pas, putain.
Elle a froid en plus. Allez, je repasse là-bas vite fait. Le vent peut pas tourner là, sérieux? Une target quoi, c'est tellement fait exprès, putain, mon enfoiré quoi. J'arrive un peu tard, t'inquiète pas, on n'est pas loin, on n'est pas du tout proche de la fin. C'est quoi la raison scénaristique? Parce que les bâtiments sont cassés comme ça. Bah, ils étaient en train de désaffecter tout le bordel. Ils étaient en train d'enlever tout l'équipement. Par contre, je sais pas, ouais, ils ont dû mettre des coups de masse dedans, je sais pas, mais avant de partir. J'avoue que ça, je comprends pas trop non plus. Et bienvenue d'ailleurs, hein, Kedax Gaming. Non, t'as pas raté tout le live. Il reste encore le moment où je galère comme une merde. Est-ce que je fabriquerais pas cette merde de piquet de corde? Il va m'en falloir de toute manière. J'aurais pas beaucoup de ruban. Hein. N'aurais pas beaucoup de ruban. Je peux en faire deux. Ça va m'emmener à 2 mètres environ. Je ramasse cette tige de merde là. Autant que je remplisse ça. Ça remplit à la moitié quoi. Putain. C'est vraiment des sales rats. On risque de me répéter, c'est des sales gros rats, comme j'en vois peu. Cours aussi loin que tes jambes te portent, tes guibolles. Ah putain, j'ai eu une accalmie là, j'ai cru que je passais. Et je passe, putain! Y'a quoi ici qu'il me faut? Y'a quoi ici qu'il me faut? Y'a que dalle! Eh, il y avait un bâtiment du coup. Ah oui, non, mais je peux y aller par là, c'est ça? Je sais pas. Genre lui là. Non, y'avait pas un bâtiment en dessous? Putain, je sais plus. J'ai fermé la porte, je vais me chauffer un peu. Ça chauffait les miches 2 secondes. Pendant foiré, ça je m'en remets pas. Chauffage portatif, allez. C'est bon? Better? Ok, better. Il n'y avait pas un bâtiment plus loin que les autres par là? Non, c'était pas ici? Genre là, voilà. Il va pas être alimenté, je suis sûr. Non. J'entends des bruits, c'est étrange. Il y a que dalle ici. Bah tiens donc, il n'y a pas les plans ici. Pourquoi? Pourquoi il serait là après tout? Est-ce que je peux le faire ça? Oui! Oh oui, c'est bon ça d'avoir réussi à faire ça, c'est si bon! Et il reste un bâtiment là, je crois, ouais, où je suis pas allé. Ça fait longtemps qu'il est sur Near Death, ouais, ça fait un mois maintenant que j'y suis. Je vais me coucher, bonne nuit Noalif. Merci d'être passé, d'avoir regardé, d'avoir apprécié. Peu de chance, ce jeu me donne froid, ouais, on est tous à dire ça depuis le début, quoi, putain, c'est dingue, hein. Ça veut dire qu'il est bien foutu du coup. L'immersion est au rendez-vous. Attends, elle arrête pas de geindre, quoi. Enregistré automatiquement, merci. C'est vrai que moi j'ai pas pensé à sauvegarder. On peut faire des sauvegardes manuelles en plus. Hein. Je sais pas pourquoi je le fais pas, mais. Écoutez, ça m'amuse de perdre, faut croire. Surtout en vidéo devant tout le monde, devant mes copains. C'est glitché, c'est quoi marre. Labs. Yes. Bon, je vais récupérer la glacière. Non, j'ai failli tenter ce saut là, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être pas. Comment ça, je prends le vent en rentrant dans le bâtiment? Il sort du bâtiment le vent? Putain, je te jure, quoi, des coups de tête, des fois, je leur mettrais ces gens-là. Ils sont impertinents, quoi, en plus de ça. Bonne nuit, Dieu Fœtus. Voilà, ça va être tellement chaud là. Ça va être démesurément chaud. Je vais sauvegarder. Voilà. Ça devrait être aussi simple dans tous les jeux. Bon, j'ai plus de ruban. Parce que là, oui, je suppose qu'il faut que je retourne au garage, ouais. Avec la truc dans les mains et sans savoir trop où je vais, en plus, dans ce sens-là. En fait, il faut que je fasse ça, mais... Vous avez vu comme ils étaient loin, les... Bon, il me reste encore du kérosène, donc ça devrait être bon. Vous avez vu comme ils étaient loin les. Comment dire, les lampadaires verts là? J'ai marché un moment hein, pour venir ici. Et pourtant j'étais dans le sens du vent, je crois. Putain, ça va être un carnage. Un gros gros carnage. Ça sera absolument pas ça. D'accord, ouais. Je m'y attendais. C'est pas grave, je passe quand même par là. Il y a un bâtiment juste devant moi là. Genre, on pourrait se dire que le vent il va peut-être se calmer, non?
c'est pas chaud que ça va être plutôt glacial. Ça va, je suis pas le seul à faire des blagues honteuses. Ah oui, alors là, tout à l'heure, on avait besoin d'un exploit, et encore une fois, il le fait. Il le fait pour l'équipe. Ça ira très bien. Piquet de corde. Je vois pas. Ici. Voilà. Oh bordel. Voilà. On fait déjà ça. Écoutez, c'est pas très loin. Bon. Ça va, hein. Pour se plaindre, là, il y a toujours du monde. Du coup, je remets ça vite fait. On va pouvoir y aller. Bonne nuit, Jules. J'ai plus de kérosène là. Mais c'est incroyable, hein. C'est des gros rats avec ça. Je suis mort là. Parce que je vais arriver à. Faut que j'arrive directement au garage, ça veut dire. Complètement taré, hein, ceux qui ont fait ce jeu, je crois. Aucun sens des réalités, bordel. Je peux pas là. Comment? C'est. Ouais, bip, ouais. Ouais, ouais. Oh, oui, ça me pousse un peu quand je cours en diagonale, mais bon. Mais putain, mais. Je peux pas, on va crever! Bloup! Bloup! Ah, il y a un truc là, mais j'ai pas de kérosène. Donc ça sert à rien d'aller dedans, concrètement, hein, c'est ça le message là que je vais vous faire passer. Allez, allez, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, il y a le chemin de corde, le chemin de corde. Allez! Allez! Il va pas crever tout de suite? Non, j'ai eu peur quoi pendant un instant. Allez, ouais, non. Non, non, on va pas se mentir. On va se mentir peut-être? Peut-être qu'on va mentir? Oh! Oui! Incroyable! Alors là. Alors là, putain. Si on m'avait dit ça. J'espère que vous avez pas fait des paris contre moi. Là, il y avait une chance contre 100, quoi. Improbable. Bip! C'est bon, ça commence à aller là. Mais ça, je vous attends. Parle-moi meilleur, par contre. Oh. Peter. J'ai l'équipement. Gros bolos de McMurdo, voilà. Tu peux t'attendre à quoi? J'ai un rapport de situation pour vous, je me pèle les miches. Oui! C'est oui ça! Changement 2017, c'est oui! J'ai à quoi une dure? Bah un peu, ouais. Je peux te dire que moi je me serais déjà allongé et je me serais laissé mourir dans la neige. Ah, vraiment, vous êtes formidable, une vraie guerrière, on a fini l'évaluation. Ouais. Très mauvais. Putain, mais il est déjà horrible le temps là. Il dit que ça va devenir pire! Optimisation du trajet, effectivement. Putain. Là, il va nous dire d'aller au. Ouais. Ah, quel enfoiré! Elle est en haut d'une autre colline. Voilà, c'est l'équipe de démantèlement qui a pas tout enlevé pour l'instant. Justement, s'il y avait une tempête qui arrivait, donc ils sont barrés, je crois. J'étais à 99% sûr de ton échec. Et bien, moi j'étais à 100% et pourtant. Hein. Extrêmement dangereuse. Alors quoi? Ouais, prends ton temps. T'as toujours su parler aux gens, toi. Toujours su rassurer les gens. Ce jeu n'a pas de fin. Oui. Effectivement, Yankee a fait une remarque pertinente, là. Oui, mais on s'en fout de ce que tu veux. T'es en train de crever, là. Ah bon, bah laisse-moi pas le temps de lire, surtout. Je vous tiendrai compagnie, on se fera un film en buvant un café ou camomille. Je vais vous faire un rapport quand je vais récupérer radar et écran.
Eh, je vais pas y arriver là, c'est trop dur. Il restait pas des trucs que j'avais pas fouillé ici, je sais pas, moi je suis désespéré là. Les piles par contre j'en ai tout le temps, hein. Alors ça, on va faire péter le bide, j'en ai les batteries. Ok, super. Non, j'avais rien oublié, mais on est mort, on est mort. Ah. Mieux. En haut là peut-être. Il y a une caisse, je vois une caisse déjà. Ah, il y a une porte scellée. Et où est-ce que ça va, ça? Ouais, ça va là-bas. Putain. Je veux même plus marcher droit maintenant dans la tempête. Non, mais quelle est conne à chaque fois à faire ça, là. Il te manque encore ce babiqué, va le charger. Effectivement, c'est un peu ça. On va fermer la porte, là, si tu veux. Ça te dérange pas. Cette pièce là-bas parce que bon. Et donc là si je ferme peut-être ça dégage ça, la neige là. Vu que c'est chauffé. Est-ce que j'ai de quoi? Non, j'ai pas de quoi du tout. Et comment j'arrive sur la plateforme là? Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Code. Ah oui, on monte par là, c'est vrai, c'est complètement con ça. Oui, c'est complètement con, oui. Je le hurle sur les toits. J'ai un peu peur, là. Un petit spook. Allez, c'est bon. En 2 secondes, quoi. Et encore, j'ai renforcé mon barca, quoi. Tout ça pour une caisse à la con. S'il y a des câbles, ça vaut le coup. Ah, putain. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Cette vie de merde que je me trimballe. Fermez là-bas. Mourir là serait vraiment trop con par contre. Ah, la dame jambon à la coigne dure, elle n'arrive plus à avancer. Dans... Bon, ça fait pas genre 5 heures de live sinon. Putain quoi. Alors, ouais bah ouais. J'étais à l'autre bout de la terre, hein, tranquille. Je suppose que je vais être contre le vent encore, je vais aller à Power of Fuel, tiens. Je vais complètement crever. Je vais complètement crever. Ah, c'est par là-bas. Parfait. Je m'avais pas dit que c'était par là-bas, donc tant mieux. J'ai perdu le chemin de corde. Maman. Je suis où là, bon Dieu? Ah oui, ok. Ah, quand on n'a pas le vent contre soi, ça cavale vite et bien là. Venez, on a une caisse mais vide et puis sur une plateforme aussi. Faut oublier qu'ils l'ont mis sur la plateforme la caisse. C'est bon qu'elle soit vide, moche. C'était une partie de leur plan. Si elle était pas placée sur une caisse sans aucun sens, bah... Ah oui, là je vois très bien que c'est chauffé. Apparemment non, alors une porte ouverte. C'est bon là. Oui. Commence pas à me faire flipper là. Peut-être que je ferme les portes en partant. Ouais non, merci. Bon. Alors là mes amis, on est là, on a power. Il y a fuel en face, est-ce que c'est alimenté? Je vais aller là, complètement con moi. On peut regarder par la fenêtre. Ferme là par contre. Oui, ah merde, je peux pas voir, il y a pas de fenêtre ici. Ah, putain. Alors là-bas c'est fuel. On voit pas mais il y a une lumière... très faible. C'est là-haut le radar. Putain. Fuel, la porte est ouverte aussi. Bon bah on va aller au radar qui est exactement par là. Je vois qu'il y a de la montagne là, donc faut peut-être contourner un peu vers là-bas. Je vais être contre le vent là, non? C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Ta-da-ta-ta-ta. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Et alors là on va me dire que ça a pas bougé encore, que c'est encore à 80, hein, hein. Là ça a bougé là. Tout à l'heure on m'a dit que ça bougeait pas, bah ouais ça bouge pas ouais. Pas trop rancunier déjà. Ouais, je veux bien prendre le vent par derrière mais si c'est pas dans la direction où je vais. Par là. Voilà. Il va être contre moi hein, cette saloperie de vent. Merci, il est pas avec moi, il est contre moi, donc ça va vite.
Ah oui, 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 les fameuses intempéries. Ben oui, bien sûr. Il y a du kérosène par contre, ça va pas échapper ça. Deux? Non, une seule. Je répare pas les câbles. Dernière fois que je me fais niquer. Du kérosène, ça veut dire que ça va être tellement chaud. On avance, on avance. On avance. Mais bien sûr, merci. Il y a des caisses d'ailleurs. Je reviendrai si je peux pour les fouiller, mais... Allez, c'est toi contre la nature, ma petite. Mais oui. Mais oui, ch'tiote. Allez, ferme la porte avec de la neige en dessous. Bonne chance, là. Cet truc-là, ça va être horrible pour... Ah, j'ai cru que je l'avais pas rechargé, j'ai eu un peu peur. Mais de la musique angoissante en plus, là. Ah, il y en a déjà plus. Combien de kérosène, là, du coup? Deux. Deux. Vu comme ça part vite, les gars, je me reposerai pas trop là-dessus. On y va. On monte, on monte. Oui, il y a des caisses en bas, mais je m'en fous, j'ai pas assez de kérosène pour jouer le malin. Mon dieu, quoi! Là, je fais quoi, là? Je me roule en boule et je chiale, ou... Non, ça passe. Okay. C'est l'horreur, là. Putain. Oh! Essaye d'esquiver les portes pour pas crever! Non, 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 pourquoi je vais là? Là-haut, là, je veux dire. Il va falloir que je marche sur les câbles aussi. Putain, on va voir, mais avant ça, je vais aller là. Sinon, je vais crever. C'est fermé, merci. Ils ont compris quand même qu'il y avait de l'abus, là. Ils aiment les poubelles, effectivement. On peut pas trop leur en vouloir, se dire. Certaines puretés au truc. Hop, vide. C'est bizarre, hein, mais j'aurais pu le prédire. Hein. Comme 99 caisses sur les 100 que j'ai eues, c'était vide. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Il va falloir que je marche sur les câbles donc. Non, je crois qu'il y a un téléphérique. Qui est pas là. Il va falloir que je marche sur les câbles donc. Mais d'accord, c'est ça le message. On va essayer, mais. Allez, bouge ton cul! Oh! Putain, mais. Allez! Mais quelle est conne! Elle arrive même pas à monter là. Putain. Et si je. Je perds du temps à cause de ça, bordel. Ah. J'imagine l'horreur, t'oublies ton poil dans un bâtiment. Forêt. Puis ça m'est arrivé tout à l'heure. Rechargé en kérosène, mais déjà. Oh! Il me reste un. Super. Mais. Elle va me faire plaisir d'arrêter de truquer le jeu là! Monte putain! Monte! Elle veut pas. Elle veut pas monter, maman! Mais pour de vrai, par contre, je vais pas pouvoir là. Elle ne monte pas. Ah, merci! Ouais, bah c'est bien, maintenant t'es en train de crever, je m'en fous, on continue. J'utiliserai pas plus de kérosène, alors là. Hors de question que je sauvegarde alors que tu m'as niqué. Ouais, mais c'est ça. Hein. Putain. Les mecs vont toujours plus loin dans la souffrance du joueur, quoi. Bon, c'est assez classe, on va pas se mentir, mais. Est-ce que je peux me mettre dans la cabine et me réchauffer? Parce que là, je suis mort. Quoique, je vois une pièce là. C'est pas trop des gros enfoirés de nazis. On pourra rentrer dedans. Et la fermer. Il y a le chauffage. Ah oui, il y a le chauffage. Ah non, ça va, c'est pas des nazis. Non. C'est pas des nazis. C'est le KGB, quoi. Vide. Merci. Donc le KGB se place pas mieux sur l'échelle, mais bon. Déjà, il parle une langue qui est moins moche. À choisir. Bon. Elle galère à monter une échelle, mais fait l'équilibriste. Ouais, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est pertinent. Ah, bon, là, c'est le défi ultime. Après, on a fini le jeu. Je fais comment? Je fais comme ça. C'est le jeu qui m'a guidé, clairement. J'ai sauté, il m'a mis là. Ouais, mais je fais quoi, là? Je reviens là? Complètement con, moi, d'être venu là. Complètement débile. La batterie, bah oui, tiens, je vais le faire maintenant.
Je vais recharger la batterie là, en équilibre sur les poutrelles, bah je vais recharger ma batterie de lampe, tiens. C'est ça qui t'intéresse? Oh putain, il y a du courant, par contre le jeu devient trop simple là. Là c'est un peu trop simple hein. Moi ça me déplaît, tu vois. Un peu de difficulté dans le jeu s'il vous plaît, on se fait chier. Vide, putain, ça par contre, ça change pas hein. Je recharge pas la batterie, elle marche encore la lampe. Ça va être simple hein. Bon, tu vois, il va falloir que j'escalade ce truc, on est d'accord. Pour réparer le radar qui va être pété. On est bien tous d'accord là-dessus, quand même. Ah! Je l'ai mis dans la poche, ok. Ah! J'ai ramassé un truc. Je peux parler avec l'autre gros bolos, ça, ça? Non? Ce jeu est vide. Oui! Ah, ça fuse ce soir, tout le monde est chaud. Alors. Batterie 7, ouais, bien sûr, ça, je peux faire péter le bide, comme j'ai déjà dit. Trouver une antenne radar. Ouais, je me demande où je vais la trouver. Hein. Souvent, les antennes radar, elles sont en bas hein, de l'installation. Bande d'enfoirés, bah, communiste, l'ancienne époque. Ah, mais en plus, bon, on va retourner dans les pièces encore une fois, les gars. Ça va que le chalumeau, il consomme pas de kérosène, tout ça, ça aurait été vraiment l'attaque finale à ma personne, quoi. La goutte d'eau. Comment ça se déroule là? Putain, y a une espèce de dôme de fou. Bon, c'est stylé, on va pas se mentir, c'est classe. Ah, les images qui se perdent là, c'est parti. Bon bah je vais relancer hein. Ah. Oui. C'est revenu. Ouais. Bon, on est parti. Faites F5. Wow, il y a un trou dans le sol. Bien sûr que j'avais passé de mauvais côté. Ok, il n'y a pas de bon côté en fait. Ah non mais ça c'est bien. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Ah. Ah. Oui. Oui, regardez le garage, oui. Alors ça va être facile encore. Hop. Oh putain, ça c'était easy par contre. Bon, c'est mieux passé que ce que je pensais. Moi je voyais ça comme encore monter sur une tour comme l'autre fois là. Mais je l'ai jeté par terre, hein, mais c'est bon, c'est pas trop sensible. Tintin. Bon, la descente là devrait pas être trop compliquée non plus, mais. Mais c'est pété là cette aiguille, c'est pas possible. Oh! Il y a une accalmie là, non? Putain, faut que je vois ça. Ah! Oh, c'est génial! C'est un moment Nutella, ça. Il y a un truc ici. Il existe ce truc? Ah ouais. Génial. Je prends des screens du coup parce que moi, je suis homme à screen. Screen. C'est moi où on voit mes balises. Genre tout au fond là-bas, il y a un truc vert qui clignote. Et je crois que c'est notre balise de tout à l'heure. Ah. Elle a même pas froid là, tiens. Ça lui prend 10 ans à avoir froid. Génial. Alors faut une récompense. Oh putain. J'ai cru que c'était la fin. Je marchais tranquille sur l'escalier sans sauter, elle est passée sur la barrière. What the fuck was that, quoi. Ou alors j'étais dessus, je sais pas, mais putain. J'aime bien moi ça, c'est cool. C'est toujours ça marche toujours très bien. Quand il brise le rythme d'un jeu. Hop là, bah oui, bah ça c'est physiquement. Ah bah je suis bloqué. Super jeu. Et si je la jette et que je vais la chercher en bas, ça marche, je suppose. On peut pas la péter, je pense. Ils ont pas pensé à ça, qui est des génies. Même avec la fibre, tu arrives à avoir des problèmes techniques, t'es pas un peu déçu. Je me fais saler là. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais. Je me fais saler la gueule là. Je vous ai bien traité pourtant, mais. J'adore ce moment. Je veux dire, oh, elle a froid quoi, mais ça va. Oh, elle veut quoi la princesse là? Elle veut pas du soleil non plus tant qu'on y est? Eh ben non, 24h sur 24, c'est. C'est ce temps là là-bas. Ça fait du très bien une petite accalmie. Je sais pas si je devrais en profiter justement, je me demande mais. Yop, Dreadnought 95. Il y a eu des mages sur le jeu, je sais pas s'il y a eu des mages. Mais on est dans un moment sympa là en tout cas.
Ah, je peux même prendre ça. Putain, c'est fou ça. Ils s'attendaient pas à ce que je prenne leur radar avec. Y'a plus de porte. Ok. Et je peux pas bouger non plus. Je peux quand même faire des gémissements, faut pas déconner. Ça rappelle les sauts sur Baldur's Gate Dark Alliance. On pouvait faire de la coop sur ce jeu et comme sauter ça allait un petit peu plus vite. Bah tout le long du jeu c'était ça. Mais avec deux personnages donc c'était cool. Ok, c'est un trou je crois. Je sais pas, non elle est scriptée là, la calmie. Le déclenchement est forcément scripté. Maintenant je sais pas si elle dure un temps déterminé ou pas. Je vais même pas aller là, vous savez quoi. Si on me chauffe pas au frais de la princesse, moi je m'arrête pas, donc ça va vite. Je suis quand même un bolos qui serait capable de mourir dans tous les cas, donc attention. Faut que je la ramène au garage, ouais. Alors là, le coup de pute suprême, ce serait quand même me remettre le temps de merde pendant que je suis en train d'aller là-bas. Excusez-moi, mais... Si, c'est possible. Tu déposes. Merci. Vide. Abuse pas, tu sais. Ça va, calmons-nous. Ah, elle a froid? Non, mais j'ai le temps d'arriver là-bas. Ah, ça fait plaisir de voir la map, en fait. Forcément, du coup, c'est moins flatteur pour l'œil, hein, mais... quand même, c'est pas dégueu, quoi. Ça permet de voir le travail entier des développeurs. Ça va faire des tonnes. La visibilité peut changer, oui, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, quoi. On voit nickel. Ah, mais là-bas, je vois, c'est le garage, ça? Non. Si, c'est le garage. Attendez, mais ça veut dire que j'ai gagné le jeu, c'est ça? C'est genre le Requiem, si ça se trouve. Ah, c'est peut-être ça. Moi c'est vrai que j'étais en train de penser, ouais il y aura forcément un endroit où on va prendre cher d'un coup pour la fin, mais apparemment. Pas sympa, en tout cas le ciel est joli hein. C'est bon. Là on se dit c'est ça va, c'est pas trop dur, mais bon, si. Pour certains jeux c'est compliqué. Ils ont quand même pensé à faire deux couches, une pour les nuages et une pour le background je crois. Enfin j'ai l'impression que ça bouge. Voilà, on va écouter. Okay. Là c'est trop calme. Je vais sauvegarder parce que moi je me ferai pas avoir moi. Parler à l'autre okay. Par machin, c'est ça? Comment est le temps? Là on va y parler. On va avoir fini de parler, ça va recommencer dehors. Alors, ça fait longtemps, gros stress. Ouais. Ce message arrive à leur destination. Ah. Excellent. Oh Dieu merci. Non, attends encore une. Attends encore un moment. Le départ est autorisé. Yes. J'avais hâte d'attendre ça. Avec plaisir. Ok, bah je crois qu'on va vraiment partir. Hein. Retour. Ah putain, j'ai eu 3 succès. Vrai aventurier. Oh là 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 là. J'ai eu les 3 succès de difficulté. Est-ce que je vais conduire ça par contre, je crois pas trop. Je reviens maison. C'est cliché cette fin, mais on l'aime bien quand même. Oh! Allez. Ça, c'est pas pour qu'on prenne des screens, peut-être? Oui, bah tiens, oui, je vais me laisser avoir. Oui, bah screen, voilà. Avant qu'il y ait le nom de la personne, d'ailleurs. Bah voilà, on a fini.
qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé ça cool quand même. Et à un moment c'était tellement chaud par contre ça avait zéro sens. La difficulté a eu un pic de fou quand j'étais à l'unité scientifique là. Moi je vais prendre un screen parce que je les trouve beaux tous. Je les trouve beaux d'accord? Ouais j'ai fini un let's play. C'est vrai que c'était en live du coup hein, c'est pour ça que je l'ai fini. Ah moi j'ai trouvé ça bien sympa quand même. Le jeu vaut son prix. Dans mes souvenirs, il était à... Bah moi, je l'ai eu à moins de 10 euros. Sinon, je crois qu'il était à 15, non? Un truc comme ça. Et ça vaut... Enfin, ça vaut vraiment le coup pour... C'est une expérience complète, quoi. C'est un jeu fini, quoi. Quand même, se regarder le générique, faut pas déconner. Bon, bah, merci d'être resté jusque-là, parce que bon... Vous deviez vouloir l'avoir, quoi, la fin, hein. Vous avez la motive de voir la fin. Est-ce que je peux voir combien d'heures j'ai? 3 heures au total. C'est vrai que 3 heures, sachant que j'ai quand même bien galéré. Hein. Donc moi je conseille de le faire. Bah, si vous le faites maintenant, il y aura forcément moins d'intérêt après avoir eu ça. Mais si vous le faites, faites-le en difficulté. Je sais plus quelle difficulté c'était. Je sais pas si c'était pas la maximum. Option. Gameplay difficile, ouais. Condition 1. Ah oui, non, il y a condition 1. Putain, alors. Condition 1. Ça doit être horrible. Ça doit être infaisable. Oui, ça va être la fin du live, là, je pense, du coup, Kedex Gaming. C'était un bon gros live, quand même. Non? Je vais voir si j'en refais pas demain. Peut-être en faire tous les jours, là. Jusqu'à ce que je puisse plus. Jusqu'à mercredi ou jeudi, on verra. Je risque d'en faire tous les jours. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce live. J'espère que le jeu vous a plu. Les jeux vous ont plu. Et puis bah voilà, peut-être à demain, on verra. Demain, je ferai une annonce dans tous les cas. Et puis voilà. Ah oui, alors c'est vrai qu'il faut que je mette la musique des autistes là. Parce que sinon c'est pas un live et... C'est pas une boucle complète, c'est pas un cercle plat. Un ouroboro. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Et à plus pour, je sais pas, soit une vidéo demain, soit un live. Ciao! C'était dégueulasse cette outro, infect. Teach you. Feelings! Ready to throw. Go!